Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un burnous ou un burnou en arabe burnous. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un burnous? Un burnous, ça se porte au Maroc sur la djellaba. C'est un vêtement d'homme. Il est fait en laine. Il est normalement fait en laine et avec et il a une capuche ou un capuchon avec ça. Une choucha, je dirais. Choucha, c'est le nom arabe, français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, on va faire un burnous. Là, j'en ai trois. Celui-là est fait avec une laine épaisse. Il est un peu long, il est fait en demi-bride. Donc, on a dit qu'on allait faire un burnous. Ce burnous, il va servir à quoi? Au Maroc, on l'utilise pour comme accessoire pour le plateau du thé et on l'utilise pour porter la théière et pas se brûler les mains. Donc voilà, c'est parmi les accessoires du plateau du thé. Et la choucha, ici, je l'ai faite avec de la laine. On peut l'utiliser avec des perles. Donc je vais vous montrer comment utiliser ces perles pour faire la choucha, hein, pour embellir le burnous. Qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser ce burnous? Il nous faut du fil. Je vais utiliser un fil blanc. Et pour les côtés, je vais utiliser un fil bleu marine. On aura besoin de... Moi, je vais utiliser un crochet numéro 4. Ça dépend du fil, hein, que vous allez utiliser. Donc, à vous de voir quel fil vous allez utiliser. C'est pas grave. Et les dimensions que vous voulez avoir. Donc, on aura besoin d'un ciseau, d'une paire de ciseaux et mon crochet 4. Et voilà. On va commencer tout de suite. Donc, je commence par faire un nœud. Voilà, j'introduis mon crochet, je fais un jeté et je tire. Voilà, j'ai fait une maille chaînette. Donc un jeté, je tire avec le crochet, j'ai une deuxième, une troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. D'accord? Regardez, j'ai 12 mailles. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais un jeté et je m'introduis dans la quatrième maille chaînette. Et je tire une boucle. J'en ai 3 sur le crochet. Je fais un jeté, je laisse tomber 2. Un jeté et je laisse tomber les deux dernières. Voilà, j'ai fait une maille bride. Une bride. Pardon, j'ai fait une bride. Donc on compte les 3 mailles chaînettes du début comme une bride et là c'est la deuxième bride. On continue, on en fait encore jusqu'à la fin. Voilà, 3, 4, la quatrième bride, la cinquième. Des fois, si vous sentez que je vais rapidement, il y a des trois petits points dans le coin de votre vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous verrez vitesse. Devant vitesse, vous trouverez normal. Vous pouvez cliquer dessus et diminuer la vitesse. Vous pouvez la diminuer un peu, c'est 0,75. La diminuer de moitié, c'est 0,50. La diminuer encore plus. Mais. Ça va être très lent. Donc voilà, je continue. Donc on fait des brides jusqu'à la fin de ces mailles-là. Sur la dernière, on va faire deux brides. Voilà, j'arrive à la dernière. Sur la dernière maille, je fais un jeté, je fais ma première bride. Un jeté, j'entre dans la même maille et je fais une deuxième bride. Donc sur la dernière et la dixième, donc regardez, 2, 4, 6, 8, 10. Donc sur la dixième maille, on a fait deux brides, donc on a 11 maintenant. Je tourne mon travail comme ça. Je prends ce bout de fil avec moi, je le ramène,
je fais un jeté, je ne vais pas travailler sur la première maille là parce qu'on a déjà travaillé deux brides dessus. Je vais aller sur la suivante ici, je m'introduis et je fais une autre bride. Regardez comme ça. Et sur chacune des mailles suivantes, regardez celle-là, on a déjà travaillé. Je vais aller sur l'autre, sur la suivante, et je vais faire une bride. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. L'avant-dernière, vous devez avoir à la fin 20 mailles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je fais un jeté et je vais sur les 3 mailles chaînettes du début, vous vous rappelez, et je vais sur la troisième maille, je m'introduis. Et je vais faire ma dernière bride pour avoir 20 brides sur ce travail. Donc voilà, j'ai 20 brides. Ça se tourne comme ça un peu. C'est normal, on est en train de faire notre capuche. Je coupe ce bout de fil. Ça y est. Vous avez votre travail comme ça, vous le tournez. Vous tournez votre travail. Sur la première, vous faites une maille serrée. Deux mailles chaînettes et on va considérer cette maille comme notre première bride. On va travailler sur 8 brides. On a déjà une première et on va travailler sur 8 encore. 3 4, 5, 6, 7, 8. Si on compte la première, on devrait avoir 9. Si on la compte pas, on l'a fait et après on travaille sur 8, donc j'aurais travaillé ici sur 7. Donc, il me faut encore une autre. Voilà. Donc, au total, on aura travaillé sur 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? On va continuer sur les mailles suivantes. Vous tournez pour regarder vos mailles. Sur cette maille-là, qu'on voit, je m'introduis, je tire une boucle, et je fais un jeté et je laisse tomber deux boucles. OK? Et je fais un jeté, je vais sur la maille suivante, je fais un jeté, je tire, ensuite je fais un autre jeté et je laisse tomber deux boucles. Il me reste 3 mailles sur le crochet, je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois. Donc là maintenant, je vais travailler sur les 9. Comment je fais pour savoir que j'ai déjà travaillé cette maille, regardez. Vous tirez un peu et vous voyez le fil, vous avez travaillé sur celle-là. Donc je vais aller sur l'autre. Donc, je continue mes brides. Vous pouvez toujours tourner comme ça ou comme ça la capuche et trouver la façon de travailler qui est la plus aisée pour vous. Vous continuez jusqu'à la fin. N'oubliez pas la dernière maille. Comptez vos mailles. Voilà, j'arrive
sur ma dernière maille, je fais un jeté, je travaille sur la deuxième maille chaînette qu'on a déjà fait au début et je termine. Donc vous avez 9 mailles ici et 9 mailles et la maille où on a fait les deux demi-brides, les deux brides incomplètes. Ok? Voilà, je tourne mon travail encore une fois, je tourne comme ça. Je m'introduis, je fais une maille serrée, deux mailles chaînettes et je continue. Maintenant, je vais, si on ne compte pas, j'ai une bride là, la première. Ensuite, je travaille sur cette bride encore. Au total, j'aurais travaillé sur 8 brides dans ce rang-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste encore 3 à faire. 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, non, c'est 8, c'est pas 9. Ok, voilà. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que je vais travailler? Regardez, j'ai une maille là. Je m'introduis. Je fais une bride incomplète, comme tout à l'heure. Je m'introduis dans la suivante. Je fais une bride incomplète. Là, c'est sur 3 mailles qu'on va faire une bride incomplète. Et sur la troisième, et je fais ma bride incomplète. Il me reste 4 mailles sur le crochet. Je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois. Donc la première fois, on avait fait sur 2 mailles. Maintenant, on fait sur 3 mailles. Je continue mes brides. Il me reste 8 brides à travailler. Donc, comme ce côté, on avait travaillé sur 8. Maintenant aussi, on va travailler sur 8 brides. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Il me reste la bride où j'ai fait maille serrée et deux mailles chaînettes. Donc je fais un jeté et je vais sur la dernière maille chaînette, la deuxième, et je fais ma dernière bride. Donc, c'est la huitième. D'accord? Maintenant, je tourne encore une fois mon travail. Pardon, je tourne mon travail comme ça. Je fais encore une maille serrée, deux mailles chaînettes. Et je vais travailler sur cette bride encore. J'ai travaillé une première bride, maille serrée, deux mailles chaînettes. C'est ma première bride. Et j'ai travaillé une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et la septième. Je vais sur la maille où on a fait les trois mailles et les trois demi-brides, les trois brides incomplètes et je vais faire une bride. Il me reste encore à travailler 8 brides. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et sur la dernière, je cherche la maille chaînette, la deuxième maille chaînette. Je m'introduis dedans et je fais ma huitième bride. Ok? Donc, je tourne mon travail. Maintenant, dans ce rang-là, on a travaillé que des brides simples. Il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. Voilà. Donc, je m'introduis dans la première
Je fais une maille serrée, deux mailles chaînettes, c'est ma première bride. Ensuite, je travaille 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a travaillé une maille serrée, deux mailles chaînettes, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Maintenant, on va faire, comme tout à l'heure, les brides incomplètes. Donc, je fais un jeté, je m'introduis dans la première maille, je fais une première bride incomplète. Dans la deuxième maille, une bride incomplète. Dans la troisième, une bride incomplète. Donc, j'ai fait sur 3 brides, sur 3 mailles, j'ai fait 3 brides incomplètes. Je fais un jeté et je laisse les 4 mailles qui me restent. Donc, il me reste à faire 7 brides. 1, 2, 3, la quatrième, cinquième, sixième et la dernière bride. Je m'introduis dans la maille chaînette et voilà mes 7 brides. Et comme ça, on aura terminé notre capuche. On va travailler ensuite la suite du bourneau. Maintenant qu'on a terminé notre capuche, on va faire 3 mailles chaînettes. Je tourne le travail, je tourne mon travail et je considère que c'est ma première bride. Là, on va travailler, regardez, nos mailles, elles sont comme ça. Quand vous tournez votre travail, vous le regardez un peu de haut, vous avez vos mailles chaînettes ici. Chaque maille, elle a deux brins. Chaque maille, elle a deux côtés. Celui-là et celui-là, deux côtés. Nous, on va travailler sur le côté, celui-là. Sur ce côté-là. Pardon. Sur le côté-là. Le plus éloigné un peu. Pas celui qui est devant vous, mais l'autre qui est de l'autre côté. Donc, notre première bride, si vous voulez, est faite. On va sur la maille suivante. Ça y est, celle-là, on a déjà travaillé. On va sur la suivante et sur le brin arrière, on le prend et on fait notre bride. Donc, on va faire des brides sur le brin arrière. Donc, comme ça. Et là, il y a le deuxième brin, ça va être le devant de notre travail. N'oubliez pas votre dernière maille, celle-là, de travailler sur votre dernière maille. Donc vous avez là 15 brides. Vous faites 3 mailles chaînettes, vous tournez votre travail et votre capuche si vous voulez, parce que moi je le fais parce que ça, c'est plus facile de travailler comme ça. Donc, et on va faire des brides. Si vous travaillez avec une laine épaisse et vous voulez faire des demi-brides, allez-y. Donc on travaille 1, 2, on considère les 3 mailles chaînettes notre première bride.
Donc, on se déplace sur la deuxième maille pour faire notre deuxième bride. On a fait trois brides. La quatrième bride, sur la quatrième, on va travailler, on va faire deux brides. Sur la quatrième, on fait deux brides à la fois. Donc, cinquième, une bride. 15 divisé par 2, ça fait 7. Donc, on travaille 7. Et on va le milieu, ça va être la 15e maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous avez 7 brides. 2, 4. Si on considère la 4 comme une bride, hein, alors qu'on a déjà travaillé 2 brides dessus. Mais ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous travaillez 7 brides. Sur celle de milieu, on va faire 3 brides à la fois. C'est des augmentations pour le bas du bourneau. Vous avez compris? Donc 2, 1, 2, 3, avec le double bride ici sur la quatrième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si vous comptez comme ça, si vous voulez compter comme ça, c'est bon. Sinon, si vous ne voulez pas compter les doubles brides ici, donc vous comptez qu'une seule bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein? À vous de voir maintenant, regardez. Vous avez le compte, comptez vous-même. Voilà. Et là, vous continuez une bride sur chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à la quatrième dans ce sens. Et on double les mailles aussi. Donc, 1, 2, 3, j'arrive sur la quatrième. Et là, je vais faire 2 brides. Et le reste, c'est une bride sur chaque bride. Sur la dernière, vous cherchez la troisième maille chaînette et dessus, vous introduisez votre dernière bride. Voilà. Donc, regardez ce qu'on a fait. 1, 2, 3. Sur la quatrième, on a fait 2 brides. Et on a travaillé 1, 2, 3 encore. Et on a fait 3 mailles sur la maille du milieu. C'est la maille du milieu parce qu'on a 15. Donc, normalement, on les 7 de ce côté et 7 de ce côté. Et sur la 15e, on fait 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Là, c'est la 4e à partir de ce côté. 1, 2, 3. La 4e, on a fait également 2 brides. D'accord? À la fin de mon travail, je fais encore 3 mailles chaînette et je tourne mon travail. Je vais sur la deuxième. La première, elle est déjà travaillée. Je considère ces 3 mailles chaînettes comme une bride. Donc, je vais sur la deuxième, je fais une bride. Troisième. Et sur la quatrième, je n'oublie pas et je fais 2 brides. Je vais aller encore. Sur le milieu, je ne vais rien faire cette fois. Il n'y a pas d'augmentation. Un rond, j'augmente. Un rond, non. Ok. Donc, je vais faire que des brides. Excusez-moi, vous pouvez utiliser un marqueur. Si vous avez peur de ne pas savoir la maille du milieu, donc j'ai mis le marqueur. Ici, j'ai les 3 mailles, les 3 augmentations. Sur la maille du milieu,
hein, sur la, il y a là 3, 1, 2, 3. Sur la maille du milieu, j'ai mis le marqueur. Comme ça, le rang suivant, vous allez vite le retrouver. Donc, on travaille que des brides jusqu'à la quatrième. 1, 2, 3. Et quand j'arrive sur la quatrième, c'est celle-là. Voilà, je fais 1, 2, 3. Et là, je travaille sur la quatrième. Sur la quatrième, je fais 2 brides sur la même maille. Et sur la dernière, n'oubliez pas surtout la dernière, vous comptez. Si vous vous perdez, comptez la moitié, vous devez avoir la même chose de l'autre côté. Non. Je m'introduis, vous devez vous introduire sur la troisième maille chaînette pour faire la dernière. Je fais 3 mailles chaînettes encore et je tourne mon travail. Voilà, c'est ma première bride. Donc je ne travaille pas ici, je me déplace pour travailler sur la deuxième. Je travaille 2 brides, 3, j'en ai 3 maintenant. Voilà, j'arrive à la quatrième et je vais faire 2 brides dans la même maille. D'accord? Donc là, je continue. Je continue mes brides. Quand on va arriver au milieu, regardez, ça c'est ma maille du milieu. Quand j'arrive sur la maille du milieu, je dois me repérer pour pouvoir faire mon augmentation. Donc voilà, moi j'y arrive, c'est celle-là, et je vais faire 1, 2, 3. Donc j'ai augmenté au milieu et je mets mon marqueur sur celle du milieu. Vous voyez, j'ai augmenté là, et donc il me reste à faire. Donc vous regardez, j'ai 2 ici, j'ai 2 brides. Si on considère que c'est seulement une, enfin, donc 2, on compte comme ça, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Vous devez avoir 11 de l'autre côté. Après les 3 brides, vous devez avoir le même nombre. Donc on va compter 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Donc je suis sur la quatrième et on est sur la... Regardez. Celle-là, c'est celle du milieu. Donc là, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et la maille est là sur la troisième maille chaînette. Je fais ma dernière, la 11e. D'accord, donc vous avez là 11 de ce côté et 11 mailles de ce côté, et vous avez vos 3 brides du milieu. Le rang prochain, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit un rang, on augmente au milieu, un rang, on augmente au milieu, et un rang, on n'augmente pas.
et mais les côtés sur la quatrième maille on augmente chaque fois. D'accord? Donc ce rang-là, puisqu'on vient d'augmenter, le rang suivant, on va faire l'augmentation que sur le côté. Donc je commence par faire encore 3 mailles chaînettes, je tourne mon travail et celle-là, je ne travaille pas puisque c'est les trois mailles chaînettes sont considérées comme la première bride. Je vais donc sur la deuxième et je fais ma bride. La troisième, encore une bride. Et la quatrième, je double. Je fais 2 brides sur la même maille. Et on a dit, ce rang, il n'y a pas d'augmentation. Un rang, j'augmente. Un rang, je n'augmente pas au milieu. OK? Donc, là, vous continuez. Vous allez faire une bride sur chaque bride jusqu'à arriver ici. 1, 2, 3, sur celle-là, sur la quatrième de ce côté. Et vous faites 2 brides sur la même maille. OK? Donc, vous continuez et on se retrouve. Donc, j'ai fini ce rang. J'ai augmenté ici, j'ai doublé, j'ai fait 2 brides sur la quatrième maille. Et donc j'arrive à la fin, je vais faire 3 mailles chaînettes encore une fois. Et là, je tourne encore pour commencer un autre rang. Je fais ma bride. Une, deux, trois. Et la quatrième, je la double. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On continue jusqu'à arriver à la maille du milieu. À la maille du milieu, vous allez faire 3 brides dans la même maille. 3 brides dans la même maille. Et puis vous remettez votre marqueur, si vous voulez, sur la maille du milieu des 3 brides. Donc vous la mettez sur vous avez 3 brides. Celle du milieu, vous mettez votre marqueur, comme ça vous ne perdez pas. Donc ici, dans ce rang-là, on va faire 3 brides dans la troisième, dans 3 brides dans la maille du milieu. On continue une bride sur chaque bride et arrivé à la quatrième de ce côté, en partant de ce côté, la quatrième, vous faites 2 brides sur la quatrième bride. Donc, et vous continuez. Le rang suivant, vous allez faire une bride sur chaque bride. Vous arrivez à la quatrième, vous faites 2 brides sur la quatrième bride et vous continuez sans augmenter le milieu. Et puis ici, avant d'arriver, en arrivant à la quatrième avant la fin, vous faites 2 brides sur cette maille-là et vous continuez. Donc, vous continuez comme ça. Pour moi, je vais travailler 12 rangs. Voilà, j'ai terminé. Regardez. J'ai terminé mon burnous. À partir de cette ligne-là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Sur la 13e ligne, j'ai fait des augmentations juste ici sur les 4 mailles. Ici et ici. Au milieu, j'en avais déjà fait sur le rang avant. Là, je vais arrêter mon travail. J'ai terminé. Donc, je coupe le fil. Et on passe à l'autre couleur pour embellir notre burnous. Voilà, on va continuer le travail. Vous vous rappelez, on avait travaillé la capuche. Après la capuche, on avait travaillé cette partie-là en commençant un rang juste. On avait fait un rang juste sur un brin des mailles. Donc, il nous reste ce brin-là. Donc, le côté où il y a ce brin, c'est la face. Donc, on prend notre deuxième fil. Je fais un nœud. Je fais mon petit nœud. Voilà. Et je vais aller sur la première bride que j'ai là sur la capuche. Je m'introduis et je fais ma première maille serrée. Je fais d'abord une petite maille coulée. Ensuite, je fais ma première maille serrée. Je prends ce bout de fil avec moi et je fais une deuxième maille serrée
Sur la bride suivante, je m'introduis et je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée. Sur chaque bride, donc, je fais deux mailles serrées. Je vais sur la suivante, deux mailles serrées. Donc, sur chaque bride, je fais deux mailles serrées. Donc, on continue, on fait le tour et on se retrouve au coin. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour en faisant deux mailles serrées sur chaque bride. J'arrive au coin. J'ai fait deux mailles serrées déjà sur la bride, dans le coin là, et sur la maille qui se trouve ici, cette maille chaînette, je m'introduis et je vais faire trois mailles serrées. Regardez. Sur la dernière, celle qui se trouve au coin, je vais faire une première maille serrée, une deuxième et une troisième. Voilà, pour faire le coin sur cette dernière maille chaînette qui se trouve ici. Donc, et je vais sur la maille suivante. Ici, il y a une maille, je m'introduis et je fais une maille serrée. Donc, j'ai ici des mailles. Je m'introduis dans les mailles et je fais sur chaque maille une maille serrée. Donc, je continue comme ça. Sur chaque maille, vous avez des mailles là, je m'introduis et je fais des mailles serrées. Donc, on continue comme ça. Sur le bas du burnous, on fait une maille serrée sur chaque maille serrée. On arrive au coin. Sur la maille du coin là, cette maille là, la dernière, on va faire trois mailles chaînettes. Ah, pardon, trois mailles serrées. Ensuite, vous continuez deux mailles serrées sur chaque bride. Deux mailles serrées sur chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive ici. On se retrouve. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait ici des mailles serrées. Dans le coin, sur la dernière maille chaînette, j'ai fait trois mailles serrées ici dans le coin. Puis j'ai continué deux mailles serrées sur chaque bride. Là, j'arrive à la fin. J'ai fait sur la dernière bride, j'ai fait deux mailles serrées. Donc, et je m'introduis sur la première maille serrée que j'ai fait ici. Et je vais faire une maille coulée. Une maille coulée, je tire le fil. Et je le sors encore de l'autre boucle. Je coupe le fil. Je fais un nœud. Vous prenez ce fil bleu. Vous faites un nœud. Et vous faites une vingtaine de mailles chaînettes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez 20 mailles chaînettes. Vous prenez votre bourneuse et vous allez sur le côté. En ayant la face devant vous, vous introduisez votre crochet juste en face dans cette maille là, dans cette maille serrée, vous introduisez votre crochet et vous faites une maille coulée. J'ai tiré une boucle et je la sors à travers la maille. Ici, on a l'autre bras des mailles. Donc, j'introduis le crochet et je fais une maille coulée. Donc, j'introduis le crochet dans la maille suivante. Je tire une boucle et je fais une maille coulée. Je la sors à travers la maille. Donc, comme ça, vous introduisez votre crochet, vous tirez une boucle et la maille que vous aviez sur le crochet, vous faites sortir cette deuxième maille à travers la première. C'est la maille coulée. Donc, vous continuez comme ça
On continue tout le long de cette ligne. Voilà, on va faire que des mailles coulées sur ce deuxième bras. Introduis le crochet ici entre les deux mailles serrées ici, je fais une maille coulée, ensuite je fais une vingtaine de mailles chaînettes. Un petit nœud. Ces fils-là, vous les introduisez, ces bouts de fil-là, vous prenez une aiguille et vous les introduisez à travers les mailles chaînettes. On va faire une choucha comme ça. Ces perles, elles ressemblent un peu, elles donnent différentes couleurs, entre autres le bleu. Donc j'ai utilisé ces perles-là. Vous avez besoin d'une aiguille qui peut traverser les perles, du fil. J'ai ce petit appareil pour faire introduire mon aiguille. Donc j'introduis, vous avez un côté, ici il y a un petit trou et en haut un petit trou. Donc j'introduis le chat de mon aiguille dans ce trou-là. J'appuie sur ce jaune. De ce trou-là, il y a une petite aiguille qui sort. Je plie mon fil en deux comme ça, il plie en deux, je l'introduis ici sur cette aiguille qui sort, donc elle le tient, je tire mon aiguille, voilà, je fais attention, le fil il est dans l'aiguille et je tire, voilà, vous voyez le fil, j'ai comme ça, comme un petit nœud ici, ce fil il est retenu ici. Donc je prends quatre des perles dorées, je vais faire comme ça. Les quatre perles, c'est le bas de notre choucha. Donc j'introduis une première, deux, 3, 4, je les introduis comme ça, vous voyez, je vais ici, j'introduis mon aiguille et je tire, je les fais descendre jusqu'en bas. Donc voilà, je les fais descendre toutes les quatre ici. Ensuite, je prends mes perles bleues. Je vais faire une quinzaine de perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14 et 15. Voilà. Vous faites comme ça. Vous avez les perles. On remet le reste à cette place. Je prends mon petit bourre-nose et je prends mes perles. Voilà. Il y en a, j'ai mis 15, il y en a où j'ai mis 16. Donc je prends toutes mes perles. Je garde l'aiguille, mais je fais un nœud. Je vais faire un nœud. Voilà, je coupe. Voilà. Vous prenez votre crochet, vous avez en haut, là où on a fait deux mailles, deux brides incomplètes, ici en haut. Donc vous introduisez votre crochet
ici. Vous allez tirer les fils. Vous les introduisez à l'intérieur, comme ça. Donc on introduit tous les fils. Après, je vais faire comme ça. Je prends mon aiguille. Et j'essaie de coudre la chouchin un peu à l'intérieur. Voilà, notre travail terminé. Notre burnos, il est fini. Donc, bordel. J'ai coupé tous les fils, j'ai fait introduire tous les fils. Ça, c'est pour faire un petit nœud devant, pour fermer la capuche, si vous voulez. Et voilà votre burnos. Celui-là, il a un choucha. Celui-là, il n'en a pas. Vous avez le choix, vous voulez en faire ou pas. Donc, voilà, on a terminé ce travail. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez compris mes explications. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez un like, ça va aider la vidéo. Merci. On se retrouvera, Inch'Allah, dans une autre vidéo.